Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sandrine alias SB Création. Je suis ravie aujourd'hui de venir vous présenter mon petit bilan couture du mois de mars. Alors il y a trois réalisations couture, je vais vous parler aussi un peu de moulage et pour finir je vais vous parler un peu d'Yves Saint Laurent puisque je me suis rendue dans plusieurs musées parisiens, donc courant février et mars. Alors pour la tenue du jour, je porte mon cardigan icône de Atelier Scamit, qui est un cardigan zippé comme vous pouvez le constater. Il est fini au niveau de l'encolure par une bande ici de bord-côte. Les poignets, alors j'ai fait un mix de bord-côte et de tissu sweat puisque je n'avais pas assez de bord-côte. Voilà, donc c'est un cardigan aux manches raglan. Bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Là, le bas est fini aussi par du bord-côte. Voilà, donc c'est un patron qui est proposé avec plusieurs déclinaisons. Donc soit vous avez la version sweat simple, soit la version avec sweat et capuche, soit la version cardigan zippé, soit une autre cardigan, gilet boutonné. Donc moi, c'est cette version-là. C'est une version que je porte énormément, que j'ai beaucoup de plaisir à porter en toutes circonstances, puisque ça va avec tout, évidemment. Et dès que j'ai un peu froid, j'ai tendance à le porter. Et ma foi, j'en suis très contente. C'est un tissu Driessen Stoffen, c'est un sweat molleton qui, ma foi, tient bien dans la durée, parce que ça, c'est un patron, c'est un gilet que j'ai cousu il y a déjà peut-être 2-3 ans, et ma foi, il tient bien, franchement, ça bouloge pas. Alors peut-être que c'est un petit peu blanchi, mais franchement, moi j'en suis absolument ravie, je le porte vraiment très fréquemment, et voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette réalisation couture, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, lire l'article de blog dans lequel j'en parle. Allez, c'est parti donc pour mes cousettes du mois de mars. La première réalisation dont je vais vous parler, c'est un projet plutôt simple et rapide à coudre, c'est le patron Cape Cod Capelet de Itch to Stitch, dont voici le schéma technique. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit donc à la base d'une cape poncho aux larges manches raglan façon chauve-souris, qui se termine longueur coude, et pourvue d'un col fluide. Ce pull se veut à la voix chic et confortable. Alors ce patron, je pense que vous vous en souvenez parce que je l'ai réalisé déjà deux fois et donc aujourd'hui je vais vous montrer ma troisième réalisation de ce patron. Donc ma première version, c'était dans une maille fluide et fine de couleur bleu marine, que d'ailleurs j'ai porté il y a peut-être 2-3 podcasts de ça. Ma seconde version, c'était dans un plaid, carrément un plaid que j'avais découpé pour en faire donc ma petite cape. Donc c'était une version plutôt cocooning, assez douillette, donc ça me plaisait bien. Et puis donc là, ma troisième version, donc je voulais refaire ça dans une maille tricot. C'est une maille tricot que j'ai achetée dans la boutique des coupons de Saint-Pierre, donc à Paris, modes et travaux. Et j'avais un coupon de 3 mètres, et dans ce coupon de 3 mètres, je vous ai présenté donc le mois dernier le cardigan, enfin le cardipull scapin de ODV Patron, alias la jolie girafe. Et donc il me restait suffisamment de métrage pour coudre un autre projet qui était donc ce fameux patron de la cape poncho de Itch to Stitch. Et je suis vraiment très contente du résultat que je vous montre tout de suite, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Le devant. Et le dos. Donc c'est une maille qui, vous voyez, qui est fine, fluide, qui est très agréable à porter. Je l'ai acheté, alors c'était 20 euros les 3 mètres, mais il y avait 20 ou 30% quand j'y suis allée, donc du coup ça m'a vraiment revenu pas très cher. Bon, la seule chose, c'est que je suis pas sûre que ça tienne dans le temps, que je pense que ça va finir par boulocher un peu, mais enfin bon, toujours est-il que pour l'instant, ma foi, ça va, mais ouais, je sais pas trop. On va voir, parce que le cardipull scapin, je l'ai porté peut-être déjà 2-3 fois, et ça commence un petit peu à boulocher. Donc bon, je suppose que cette cape va suivre un peu le même exemple. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, j'aime bien, voyez, cette fluidité, donc à porter par-dessus un pull, un sous-pull. Je trouve ça très, très confortable et à la fois très élégant. J'aime beaucoup cette couleur, voyez, associée à du noir. Je trouve que ça apporte vraiment un petit cachet supplémentaire. Donc les manches, comme vous pouvez le voir, sont des manches plutôt chauve-souris, raglan. Et vous avez cette forme-là, un petit peu arrondie, forme cape, qui est identique au dos et au devant. Alors il faut savoir qu'à la base, le patron prévoit une coupe plutôt asymétrique, c'est-à-dire que c'est censé être plus long au dos qu'au devant. C'est quelque chose que moi j'ai modifié sur les pièces patron pour que le devant soit aussi long que le dos. Je trouve ça esthétiquement plus joli, mais ça c'est une affaire
j'allais dire, un goût tout à fait personnel. Le petit col fluide, là, je trouve aussi très sympa. Moi, je le replie sur lui-même, là, comme ça, en deux. Voilà. Alors, la difficulté technique, si je puis dire... Alors, je crois que c'est adressé à un niveau plutôt débutant plus, donc c'est vraiment accessible à tous. Encore faut-il évidemment savoir manier ce genre de jersey. Si vous cousez votre câble dans un tissu sweat qui aura davantage de tenue, ce sera évidemment plus simple à coudre, mais sinon ça se fait également très bien dans de la maille. Moi évidemment j'ai tout assemblé à la surjeteuse et j'ai fait quelques points à la machine à coudre parce que ça le nécessitait, et puis j'ai fait aussi mes finitions donc à la recouvreuse. Alors oui, donc peut-être les deux points techniques, si je puis dire, c'est au niveau des ourlets, parce que vous avez ici des ourlets qui sont, vous voyez, à faire tout en arrondi. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et donc sur l'envers, voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait à la recouvreuse. Donc ça c'est peut-être le plus long à faire. Si vous faites ça à la machine à coudre, votre tissu risque de se distendre, bon, sur de ce genre de maille, mais enfin... Voilà, ça reste un exercice, de toute façon, il n'y a pas de secret dans la couture. Pour progresser, il faut expérimenter, il faut s'entraîner, et puis voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la première peut-être difficulté technique, parce que vous voyez, c'est une courbe, et il y a pas mal d'ourlets. Ensuite, la deuxième difficulté, j'allais dire, c'est quand on a fait tous les ourlets, il faut assembler le devant et le dos au niveau des coutures d'assemblage, et il faut coudre dans le sillon. Ici de la couture pour que vous voyez ici on puisse avoir un semblant de manche. Vous voyez qu'il y a une démarcation entre le corps et la manche. Je ne sais pas si je suis très claire là, mais parce que si on ne fait pas de démarcation, ici en fait on a une cape qui pourrait mal se positionner ou voilà. Tandis que là vous avez quand même des manches qui sont bien déterminées, qui s'arrêtent ici. Vous voyez, donc on coud sur une dizaine de centimètres dans le sillon pour maintenir donc, en fait, les deux épaisseurs ensemble. Donc voilà, donc ça demande un peu de minutie parce qu'il faut vraiment aligner les coutures d'assemblage. Et comme on coud dans le sillon, il faut que ce soit pareil, enfin que ce soit aussi discret sur d'un côté que de l'autre. Donc il faut vraiment positionner couture sur couture et coudre. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à faire sinon à la main. Ça peut tout à fait se faire. Voilà, bon, je crois que j'ai pas grand chose à dire sur ce patron, si ce n'est que c'est un patron qui est exclusivement en anglais. Donc si vous avez des difficultés en anglais, bon, j'allais dire, tout dépend aussi de votre niveau de couture. Moi j'ai trouvé les explications simples, enfin suffisamment détaillées pour être compréhensibles. Il y a des schémas qui expliquent comment faire, donc avec les schémas ça devrait... Vraiment, enfin encore une fois, c'est très simple, hein. Vous avez le devant, le dos, les manches, le col, et c'est tout à assembler. Et ensuite, il ne reste plus que ces finitions et le petit détail de coudre dans le sillon, donc ça se fait assez aisément. C'est à patron, donc exclusivement PDF. Moi, je l'avais acheté en promotion à 5,19€, mais aujourd'hui, donc évidemment, il a repris le tarif habituel, donc je ne sais plus combien il est. Voilà, moi j'ai réalisé en taille XS, à savoir que ça va de la taille XXS à XL. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm, et puis voilà, enfin au niveau taille, franchement, il n'y a pas de difficulté, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'aisance, c'est un patron qui n'en est pas vraiment un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manche montée, c'est pas un patron ajusté, donc franchement, vous n'aurez pas de soucis niveau taille, en tout cas, moi, la taille XS, là, me convient très bien telle qu'elle. Et puis, je crois que c'est tout, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce patron qui se coud vraiment facilement pour un rendu qui, moi en tout cas, me plaît beaucoup. C'est un pull que j'aime bien porter, qui se porte en toutes circonstances, donc j'aime beaucoup le porter à la maison ou pour aller travailler. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne porté et on se retrouve juste ensuite.
Alors ensuite, j'ai cousu un gilet, c'est le gilet Alba de la marque de patron Sinclair Patterns. En voici tout de suite le schéma technique. Alors c'est un gilet zippé, asymétrique, semi-ajusté, avec un grand col drapé et des poches latérales. Les manches longues sont finies par des poignées ajustées. Alors c'est un patron que j'ai acheté au format PDF. Il était en promotion, c'était lors du Black Friday. C'est-à-dire que je l'ai eu non pas à 9,99$, mais je l'ai eu à 7,50$, ce qui me fait 6,97€ pour être tout à fait précise. Donc le gilet Alba, c'est un patron qui est proposé de la taille, que je ne me trompe pas, de la taille 0 à la taille 30, c'est-à-dire de la taille XXS à la taille 4XL. Donc il y a 12 tailles et c'est quand même un large éventail de tailles. Ce patron est proposé avec 3 statures, donc petite, régulière et tall, c'est-à-dire de 1m52 à 1m60 c'est petite, ensuite régulière c'est 162-70 et tall c'est 170-178, donc moi j'ai cousu la version régulière parce que je mesure 1m68. Alors, au niveau PDF, donc c'est un PDF qui propose un système de calque, donc du coup vous pouvez n'imprimer que là où les tailles choisies. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 0,7 ou de 1 cm selon la zone qui est cousue. Voilà, à noter quand même que il faut compter pour le format A4 48 pages à imprimer, ce qui est assez conséquent pour un gilet, j'allais dire. Donc il faut quand même un petit peu s'armer de patience et de votre scotch pour y arriver, mais ça se fait. Et puis côté instructions de montage, il y a 34 pages d'explications qui sont donc très détaillées, très fournies, avec des photos, comme je vous le dis assez régulièrement. Moi j'aime beaucoup les explications qui sont proposées avec des photos plutôt que des schémas, mais ça c'est un avis tout à fait personnel. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire en gros sur ce patron. Et je voulais vous dire aussi un autre point avant de vous présenter ma version, c'est que je vous ai parlé des tailles là tout à l'heure. Et il n'y a pas véritablement de tableau avec les mesures finies du vêtement, mais il y a quand même des indications qui sont données pour vous indiquer l'aisance qui a été portée à certains endroits. C'est-à-dire que pour ce modèle précis, vous avez une aisance positive de 2 cm pour la poitrine, une aisance positive de 20 cm pour la taille, et vous avez, attention, une aisance négative au niveau des hanches, au niveau de la ceinture. Et ça, c'est une information qui est ultra importante et que j'ai omis évidemment de regarder. Je suis lancée un petit peu tête baissée dans ce patron puisque c'est la quatrième fois que je couds un patron de la marque Sinclair Patterns et jusqu'à présent j'ai pas trop de soucis de taille. J'ai tendance à coudre directement la taille 2 qui correspond à mes mensurations et roule ma poule, j'allais dire. Tandis que là, c'est un patron qui est de coupe semi-ajustée. Moi, je dirais que c'est carrément ajusté parce que c'est très moulant, j'allais dire, au niveau ici de la carrure de la poitrine. Les manches sont très fitées. Donc attention, si vous n'aimez pas avoir des manches trop serrées, ça risque d'être un souci. Par exemple, avec ce gilet-là, je pourrais par exemple pas porter 36 000 épaisseur en dessous. Donc là, je pourrais juste me limiter à un sous-pull ou un t-shirt manche longue, mais pas plus. Et puis, là où c'est assez dérangeant, c'est que comme il y a une aisance négative au niveau des hanches, en tout cas sur moi, ça crée un souci de confort puisque c'est trop ajusté, trop serré au niveau donc de la ceinture. Et c'est un petit peu dommage parce que je me sens pas vraiment à l'aise dedans. Donc ce patron, pour moi, c'est un petit bémol, mais c'est aussi un petit peu de ma faute. Parce que si j'avais vu cette information-là qui était clairement écrite noir sur blanc, eh bien évidemment, je pense que j'aurais utilisé soit une taille au-dessus, soit j'aurais utilisé un tissu avec un peu plus d'élasticité. Peut-être que le mien en manque un petit peu, peut-être que j'aurais dû utiliser du tissu de type bord-côte pour donner davantage de confort et d'aisance à ce niveau-là. Voilà, donc je vous le dis pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises si vous souhaitez réaliser donc ce patron que je vous montre enfin. Alors, voici ma version du gilet Alba. Le devant et le dos. Alors j'ai cousu ma version dans un jersey texturé, structuré, qui vient de la boutique Toto Tissu à Paris. Alors quand j'y suis allée, c'était en promotion, c'est-à-dire un mètre acheté, un mètre offert, donc
Je suis plutôt contente de mon achat puisque, alors je ne sais plus combien c'était le mètre, je crois que c'était 7,90€ ou 8,90€ le mètre. Moi j'en ai pris 2 mètres et donc du coup bah, mon gilet me revient à moins de 8 ou 9€ quoi. Et heureusement, puisque c'est un gilet dont je suis plutôt en demi-teinte. Je suis pas entièrement satisfaite de ce gilet pour deux raisons. Donc la première, c'est au niveau du fit que je trouve vraiment trop moulant au niveau des hanches. Et la seconde chose qui me contrarie un petit peu, j'allais dire, bon le terme est un peu fort, hein, c'est au niveau du col. Parce que c'est, à mon sens, toute l'originalité du patron, c'est le col. Parce que le col est un col drapé, qui vient comme ça s'enrouler autour du cou, ce que je trouve plutôt bien. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait plu moi dans ce patron, c'est parce que moi, je suis plutôt frileuse, et avoir le cou comme ça enroulé de ce col, eh bien, je trouvais ça plutôt une bonne idée. La seule chose, en pratique, c'est que ce col n'est pas facile à porter. Il ne se positionne pas correctement, comme j'aimerais en tout cas qu'il se positionne, c'est-à-dire que le tissu extérieur est plus large que la doublure intérieure, et ce qui fait que ça se positionne pas correctement. Je n'ai pas d'autres termes à vous dire, c'est-à-dire que ici, donc vous êtes sur le devant du col, vous avez des petits plis qui sont formés, mais ces plis ne sont pas surpiqués en place, ce qui fait qu'ensuite le col vient se draper un peu comme il le souhaite et se positionne pas bien par rapport à la doublure intérieure. Sur ici, quand j'ouvre le zip, on a ici donc le col, l'autre extrémité du col qui se positionne un peu comme il le souhaite. Bon, voilà, je trouve qu'il se positionne pas bien. Peut-être que j'aurais dû faire ce qui a d'ailleurs été recommandé, c'est-à-dire de sous-piquer la doublure du col et puis ensuite d'effectuer une surpiqûre pour que les deux épaisseurs puissent se maintenir vraiment bien ensemble. Et donc, la petite déception, donc, un, il se porte pas très bien, je trouve, le col, et deux, quand on ouvre le gilet, qu'on veut porter le gilet ouvert, eh bien je trouve que le col est pas très joli, c'est pas très esthétique parce que ça fait des grands pans comme ça sur le devant. Et bon, c'est un avis personnel, mais je ne le trouve pas joli. Et encore une fois, il ne se positionne pas très bien. Alors peut-être que j'aurais dû choisir un tissu un peu moins mou parce que là sur l'intérieur j'ai utilisé du jersey Milano. Et voilà, peut-être que j'aurais dû choisir quelque chose d'un peu plus épais. Mais en même temps, si j'avais choisi quelque chose de plus épais, je pense que j'aurais eu des difficultés en termes d'épaisseur, parce qu'il y a pas mal d'épaisseur à assembler. Comme ici, vous avez des plis qui sont formés, bah, ça crée des couches, des épaisseurs supplémentaires. Et à mon avis, en termes d'assemblage, ça n'aurait pas été facile. Bon, voilà. Et donc, comme je vous le disais, comme c'est un gilet qui est ultra moulant, enfin zippé, moulant, zippé, ultra fité là au niveau de la ceinture, on aurait tendance à vouloir porter ce gilet ouvert. Mais le gilet ouvert, comme en plus il a une forme asymétrique, eh bien porté ouvert, je le trouve pas très joli. Voilà. Ça fait un look plutôt décontracté. Alors certes, c'est un gilet à la base qui se veut un peu sportswear, décontracté, mais je trouve que là, ça fait too much. Les pans ici se positionnent pas comme je le voudrais. Enfin voilà, donc je ne suis pas hyper enjouée sur cette cousette, je pense que vous l'aurez compris. C'est quand même une cousette que je porterai, alors plutôt au printemps et à l'été, puisque comme je vous l'ai dit, je ne peux pas porter de couches supplémentaires en dessous, puisque sinon je vais être trop serrée, je ne vais pas être à l'aise dans mes mouvements. Voilà. Sinon, alors pour en revenir au patron lui-même, si toutefois vous avez envie de coudre ce patron, sachez que ce patron est accessible à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire un niveau 6 sur 10. Moi, je dirais qu'il faut quand même une petite dose de motivation pour coudre ce patron, car les finitions et les techniques qui sont abordées dans le livret technique, eh bien, ça demande quand même du temps, de la concentration et de la minutie. Alors, à savoir que le livret d'instruction est super clair, richement détaillé et illustré, ça, il n'y a pas à dire. Mais toutefois, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les instructions de montage sont en anglais exclusivement, donc si vous avez des soucis de compréhension, c'est pas forcément le patron vers lequel je vous conseillerais d'aller, sauf si vous avez un niveau couture avancé, mais ou si vous êtes ultra motivé, lancez-vous, hein, encore une fois, les photos parlent assez d'elles-mêmes. Il faut par contre suivre scrupuleusement le pas à pas, parce qu'il y a des endroits, des assemblages qui ne sont pas du tout intuitifs.
Donc il faut vraiment suivre les instructions si on veut y arriver. Et en même temps, il y a certains assemblages qui sont proposés que moi j'ai trouvé très judicieux, très astucieux. C'est bien pensé, franchement, c'est bien conçu, donc franchement c'est chouette, mais c'est pas quelque chose qu'on ferait instinctivement, naturellement de nous-mêmes. Donc il faut vraiment suivre scrupuleusement certaines étapes d'assemblage. Alors pour d'autres, je parle notamment en termes de finition, moi j'ai opté pour d'autres finitions parce que celles proposées ne me convenaient pas, mais ça c'était un avis tout à fait personnel, parce qu'il y a beaucoup dans ce patron de surpiqûres qui sont faites à plein d'endroits clés, mais moi je ne voulais aucune surpiqûre sur mon gilet parce que mon jersey est texturé, c'est-à-dire quadrillé, et je ne voulais pas ajouter de surpiqûres que j'aurais trouvé un peu trop disgracieuses, donc j'ai fait en sorte de n'avoir aucune surpiqûre, mais je pense qu'il va tout de même falloir que j'en mette au niveau du col parce que le col se maintient pas bien. Et voilà, donc du coup, il y a certaines finitions qui demandaient des surpiqûres que je n'ai pas faites et que moi j'ai remplacées par des coutures à la main. Je vous montre par exemple au niveau du col intérieur. Donc il faut assembler le col extérieur et intérieur ici au niveau de l'encolure et donc il est prévu ici une bande de finition au niveau de l'encolure dos, ce que je n'ai pas faite. Moi j'ai préféré donc finir à la main. Donc en fait il y a toute une partie que j'ai cousue à la machine à coudre. Donc alors, je sais pas, ça va être difficile de vous montrer. Donc de là jusque-là, jusqu'à l'épaule, j'ai cousu à la machine. Alors ça me demande un peu de dextérité parce qu'on est sur l'intérieur des coutures. Et au niveau de l'encolure dos, donc moi c'est quelque chose que j'ai fait donc à la main. Et pareil pour les finitions donc de la ceinture, sur l'intérieur, je n'ai pas fait de surpiqûre, j'ai préféré coudre tout le bas en fait de la ceinture à la main. Donc évidemment c'est un point que j'ai essayé de renforcer parce que on est dans du jersey. Qui dit jersey dit extensibilité. Comme ce gilet se porte très près du corps, on a tendance à exercer une pression en fait sur les coutures d'assemblage, et je ne voulais pas que mon point à la main finisse par se casser, donc j'ai essayé de faire des points quand même relativement solides, renforcés pour que ça reste bien en place. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que ce patron est prévu avec des poches ici que j'ai trouvé plutôt sympa à faire. Ce sont des poches qui sont, vous voyez, de forme ici rectangulaire, crantée. Voilà. Et sur l'intérieur, vous avez donc la poche qui est apparente. Et alors, pour éviter que la poche là, hein, sur l'intérieur, sur l'envers, ne se balade de trop, moi je l'ai fixée avec quelques points à la main. Sinon, on aurait pu là aussi faire une surpiqûre pour que cette poche puisse rester bien en place, mais auquel cas on aurait vu la surpiqûre sur l'endroit, et moi je ne voulais pas. Alors, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour revenir au niveau, donc c'est un niveau intermédiaire qui pour moi demande un peu plus de... Enfin, qui demande un certain degré de motivation. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un gilet qui est asymétrique. Donc déjà, il faut avoir... dans sa tête une bonne idée de ce que ça va représenter au niveau de la couture, parce que faut pas mélanger le côté gauche le côté droit. Donc déjà ça c'est déjà une première difficulté. La deuxième, c'est que il y a pas mal de pièces qui composent donc ce patron. J'en ai compté 16, ce qui est assez conséquent pour un gilet. Et puis ensuite, il faut savoir qui va avec quoi, parce que vous avez des parementures intérieures. Vous avez des panneaux là parce que vous avez le côté asymétrique, c'est-à-dire que le zip est pris en sandwich entre ce panneau là et celui-là, donc il faut bien comprendre quel morceau va avec quoi, et donc c'est vrai que ça demande un peu de temps, un peu de concentration. Alors évidemment ça se fait très bien, si vous suivez les explications, franchement vous n'aurez pas de difficulté. La seule chose c'est que moi j'ai eu un point un peu sombre qui m'a posé question, c'est justement au niveau de cette parementure ici intérieure, où j'avais un souci que je vais pas vous expliquer ici parce que ce serait un peu trop long et je pense que je vais me perdre dans mes explications, mais j'en ferai mention dans mon article de blog parce que les panneaux ne correspondaient pas, parce qu'on nous demande de faire certaines finitions, de faire certains ourlets, mais quand ensuite on vient assembler les deux panneaux ensemble, il y en a un qui est plus long que l'autre, et que donc ça ne va pas, et bon, ça m'a posé question, donc soit il y a quelque chose que je n'ai pas comprise, soit il y a une erreur quelque part. Voilà. Sinon, moi j'ai trouvé plutôt, encore une fois, astucieuse certains assemblages et certaines finitions. Donc par exemple, ici sur l'intérieur, vous avez cette parementure,
voyez, qui accueille le zip là. Enfin, vous avez ce panneau là qui accueille le zip, et quand on regarde sur l'intérieur, donc c'est en fait c'est une parementure. Et cette parementure, en fait, au niveau des finitions, des extrémités du bord, là, on vient en fait enrouler l'excédent de matière sur la couture d'assemblage et on vient surpiquer en place. C'est une surpiqûre qui n'apparaît pas sur l'endroit, ça n'apparaît que sur la couture d'assemblage. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien vu. La seule chose, la seule petite nuance que je pourrais vous dire, c'est que moi, j'ai recoupé l'excédent de matière. C'est-à-dire que eux font un repli avec les surépaisseurs ensemble, mais je trouvais ça trop épais justement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un simple, j'ai enroulé la marge de couture, enfin la matière sur la marge de couture, j'ai piqué en place, j'ai fait une surpiqûre donc au point droit de la machine à coudre, et ensuite j'ai coupé l'excédent de matière pour retirer tout le surplus. Là encore une fois, c'est peut-être pas très clair comme ça, mais je vous montrerai sur mon blog comment j'ai procédé. Et puis, ce que je voulais dire aussi de plus, c'est que l'autre côté de... Donc l'autre côté, donc, puisque c'est un côté asymétrique, donc il y en a... l'autre côté est différent. Et là, le bord est simplement surjeté. Alors moi, j'ai maintenu la parementure en place avec des points à la main. Donc j'ai glacé toute la parementure sur l'intérieur pour que la parementure, encore une fois, ne vienne pas trop se balader, parce que c'est mon tissu doublure qui est un Milano est beaucoup plus léger que mon tissu extérieur. Voilà pour les explications en gros de ce que je voulais vous dire, mais sinon c'est un chouette patron, hein. Il y a juste ce souci d'encolure là, de colle qui me gêne, et puis le fait que ce soit un gilet qui soit bien trop ajusté, enfin en tout cas, disons que pour moi je trouve que c'est trop ajusté et ça m'entrave un peu dans mes mouvements. C'est un gilet qui finalement n'est joli, de mon point de vue encore une fois, n'est joli que fermé, donc avec le zip fermé jusqu'en haut, avec le col bien placé. Mais dès qu'on ouvre ce gilet, ben je trouve qu'il perd de tout son charme. Donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est un patron que je ne referai pas. Mais si vous voulez vous lancer dans ce patron, voilà, vous êtes informé de moi, des difficultés que j'ai rencontrées. Et puis de ma petite déception, j'allais dire. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce patron. Et puis on passe au suivant. Je vais à présent vous parler de ma troisième réalisation, et c'est à nouveau un gilet. Mais vous allez voir qu'il est totalement différent du précédent en termes de style, de coupe, d'aisance, enfin voilà voilà. Alors le patron que j'ai cousu est tiré du magazine Burda de septembre 2019, dont voici la couverture. Et moi j'ai choisi de coudre donc le modèle 114, qui est donc ici avec le schéma technique. C'est à la base un modèle coupé comme un blouson ou un cardigan court, avec une encolure en V gancée d'un parement et une patte de boutonnage au devant. Une large boucle à la ceinture apportée pose la touche finale du raffinement Dixie Burda. Alors, à vrai dire, ce modèle, moi, ça faisait un moment que je voulais le coudre, puisque j'avais vu deux très très jolies réalisations sur le net, et j'avais envie, évidemment, d'avoir ma propre version de ce patron. C'est-à-dire que j'avais vu la version de Solène, alias Somio, qui a présenté donc sur son blog un article assez détaillé sur la réalisation de couture de...
de ce gilet, et j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé sa version, et puis j'ai suivi d'ailleurs ses recommandations et ses conseils, ce qui m'a bien aidé moi dans ma réalisation. Et puis la deuxième version que moi j'ai vue sur le net, c'est celle d'Annette, alias Annette.md, qui est hongroise si je me trompe pas, et qui coud assez régulièrement des patrons burda. Donc du coup c'est un compte que je suis assez attentivement parce que j'aime beaucoup ses réalisations, mais j'aime aussi beaucoup son style, la façon dont elle coud ses vêtements. Et donc forte de ces deux modèles fort inspirants, et eh bien je me suis lancée dans ma propre version que je vous montre tout de suite. Voilà, alors ici donc vous avez le devant et le dos. Alors ici, normalement, une fois bien positionnée, la ceinture avec boucle se positionne comme ça dans l'alignement de la patte de boutonnage. Mais ici, évidemment, voilà, ça pendouille comme ça. Alors, j'ai réalisé ma version dans cette maille piquée qui vient des coupons de Saint-Pierre, que j'ai acheté 15 euros les 3 mètres. J'avais déjà utilisé cette maille pour réaliser un patron burda, c'était un polo burda, et en fait, bah, ma foi, c'est une matière que j'aime bien, qui se maintient bien dans le temps au fil des lavages. C'est une maille piquée coton, et qui est assez légère, fine et fluide. Alors, je précise que normalement, ce n'est pas du tout le tissu qui est préconisé par burda. Normalement, j'aurais dû choisir un tissu beaucoup plus épais, qui a davantage de tenue, mais moi j'ai voulu faire avec ce que j'avais dans mon stock, et de toute façon moi je voulais avoir une version plutôt printanière et estivale, avec donc là les beaux jours qui arrivent. C'est un petit cardigan voilà, que je pourrais porter soit tel quel avec un petit débardeur en dessous, ou que je peux porter aussi pour l'automne avec un sous-pull col roulé, ça ira très bien également. La seule chose à noter, c'est que c'est un gilet qui est relativement court, hein. Donc il faut faire attention avec les vêtements qu'on porte en dessous, donc il faut mieux prévoir des pantalons ou des jupes taille haute ou taille normale, ou sinon porter des robes, mais sinon avec des pantalons taille basse, parce que moi j'aime beaucoup les pantalons taille basse, et eh bien ça va pas du tout avec. Donc il faut juste que je fasse attention de porter ce gilet avec la bonne jupe ou le bon pantalon. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai joué moi sur l'endroit et l'envers du tissu. C'est-à-dire que le corps du gilet, je l'ai cousu avec là, ce côté imprimé. Mais sinon, pour tous les autres détails de finition, c'est-à-dire la bande ici d'encolure, ce que burda appelle parement, les poignets, et puis la ceinture avec là, ici, la boucle, j'ai utilisé l'envers du tissu. Je trouve que ça apporte un petit plus et que ça met en valeur donc ces petits détails de finition. En parlant de détails de finition, j'ai apporté quelques modifications, c'est-à-dire que le projet initial ne prévoit pas de manches longues avec poignées. Normalement, c'est fini par un simple ourlet, donc moi j'ai ajouté des poignées, comme vous pouvez le constater, et pour ce faire, donc j'ai dû réduire la longueur des manches. Donc Solène avait dit dans son article de blog que les manches étaient quand même assez longues, et je le confirme. Moi j'ai retiré donc 6 cm. Mais j'aurais dû au total retirer 9 cm parce que c'est encore trop long, même si là j'ai ajouté un bracelet de manches, là un poignet de 5 cm. Mais c'est vrai que les manches sont encore un peu longues, là vous le verrez au porté, ça plisse un peu trop au niveau des manches, mais bon, je me suis dit que j'allais laisser comme ça, tant pis, ça irait très bien, mais c'est vrai que là vous allez le voir, c'est encore trop long. Ensuite, et puis j'ai aussi réduit un petit peu la largeur du bas des manches parce que, pour que ça vienne justement mieux épouser mon poignet, parce que les manches sont quand même assez larges, hein, vous allez voir qu'il y a pas mal d'ampleur hein, au niveau du corps, mais moi ça me convient comme ça, enfin c'est le style en fait de ce petit gilet blouson, c'est-à-dire que vous avez une aisance quand même relativement positive au niveau du corps, au niveau des manches. À noter que ici les épaules sont tombantes, les emmanchures sont basses, le gilet est court, et donc du coup ce qui se passe, c'est que évidemment au porté on est un petit peu gêné quand on lève les bras, parce que dès qu'on lève les bras, bien en fait il y a tout le gilet qui remonte, et là Solène l'avait également souligné, et je le savais pertinemment quand j'allais coudre ce gilet, donc je le savais et j'en étais bien consciente, mais bon, ça va, maintenant que je le sais, ça ne me gêne pas plus que ça. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Je vous ai parlé d'aisance et donc je ne vous ai pas encore parlé de taille. Ce patron est proposé de la taille 36 à 44. Comme d'habitude chez burda, moi j'ai cousu la taille 36.
Et ça me convient assez bien comme ça, si ce n'est la longueur des manches que j'ai trouvée trop longue. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a de l'aisance. Hein, on est vraiment très confortable. Là, je peux porter pas mal de couches successives en dessous. Mais ça me plaît bien, puisque en fait, le bas est, est resserré par des fronts, ce qui donne un petit côté blousant en fait, au gilet. Vous voyez ici au niveau du dos, vous voyez c'est froncé pour que ça épouse la dimension de la ceinture. Idem au devant, donc c'est un petit peu froncé, ce qui vient faire un peu blouser. Je trouve ça assez joli, assez féminin. L'autre modification que j'ai faite, c'est que au niveau de la patte de boutonnage, normalement il n'y a que 3 boutons de prévu et des boutons assez gros. Moi j'ai prévu des boutons plus fins et qui puisaient des boutons pression de 12 mm de diamètre et j'en ai posé 4 plutôt que 3. Parce que je trouvais ça esthétiquement plus joli, et plus harmonieux, plus cohérent aussi par rapport à la fermeture. Et le dernier détail que moi j'ai ajouté, c'est ici que j'ai ajouté un passant pour maintenir la ceinture en place. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que au porté, eh bien en tout cas sur moi en tout cas, ça ne me plaisait pas d'avoir une ceinture qui pendouille. Alors ça va être difficile de vous montrer, mais normalement la ceinture est prévue pour, voyez, la bande est prévue pour pendouiller comme ça dans le vide. Chez les autres, franchement, ça me choquait pas, ça me plaisait bien d'ailleurs, mais sur moi, je sais pas, ça me gêne d'avoir cet excédent de bande là qui pendouille comme ça dans le vide, ça me gênait visuellement. Donc du coup, j'ai ajouté donc ce petit passant pour maintenir la ceinture en place et visuellement, ça me plaît davantage. Et encore une fois, c'est encore une fois un avis tout à fait personnel, tout à fait les goûts et les couleurs, hein, il en faut pour tout le monde. Les instructions de montage, alors c'est un niveau 2 sur 4, donc niveau plutôt intermédiaire. Il faut savoir que moi, je n'ai pas lu les explications de montage. Disons que j'ai commencé à vouloir lire, et puis j'ai très vite déchanté, j'ai laissé tomber. Je me suis dit que j'allais coudre cette version au feeling, telle que j'en avais envie. J'avais vu donc de toute façon les versions de Solène et d'Annette et donc j'avais vu sur l'envers comment elles avaient conçu la chose, comment la ceinture était montée, le parement aussi. Ça m'a donné quelques pistes pour mener à bien mon projet et finalement je m'en suis très bien sortie. C'est vrai que ce gilet, qui est à la base plutôt simple en termes de coupe, puisque vous avez le devant, le dos, les manches, vous avez le parement qui est en fait une bande d'encolure rapportée. Vous avez ensuite la ceinture et puis basta en fait, hein. Il y a donc très peu de pièces à coudre, donc ça se fait assez aisément, mais c'est vrai que ça mérite un peu de réflexion en termes d'assemblage et de finition. Je pense notamment donc au bas du gilet, parce que, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez donc une ceinture qui vient finir le bas du gilet, voilà, de façon assez classique, et en fait vous avez en surplus donc cette ceinture à boucle. Donc il faut effectivement y réfléchir en amont, de savoir comment on positionne cette ceinture là sur la ceinture existante. Donc on voit en fait que cette ceinture est prise en sandwich entre la ceinture dos, la ceinture devant, et vous voyez la ceinture là est prise en sandwich entre les deux, en sachant que ici le bas, vous avez une pliure et donc on vient assembler la ceinture là supplémentaire au niveau de la couture d'assemblage des côtés, et il faut que ça se juxtapose au niveau de la pliure et veiller à ce que ça coordonne bien avec le haut de la ceinture. Bon, là j'ai l'impression que je vous ai tous perdu, mais je vais vous mettre juste après quelques photos pour vous expliquer comment je m'y suis prise pour coudre cette ceinture, enfin la méthode que moi j'ai utilisée, qui a fonctionné, mais après il y a, encore une fois, hein, il y a plein de techniques différentes pour arriver au même résultat, ou d'ailleurs à des résultats beaucoup plus aboutis, beaucoup plus joliment finis. Enfin moi je vous présente en tout cas ma version. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que comme j'ai un tissu plutôt léger et fin, j'ai préféré entoiler les deux faces de la ceinture, parce que j'avais besoin d'avoir un peu plus de tenue. Et puis donc la deuxième difficulté du, entre guillemets, hein, de ce gilet, c'est au niveau donc de ce parement d'encolure, donc qui fait le tour au niveau du dos et au niveau du devant. Donc c'est une pièce qui vient se rapporter, donc qui vient s'ajouter, vous voyez, au niveau de l'encolure. Et donc là aussi, ça demande un assemblage spécifique, enfin spécifique. Je vais vous montrer là aussi comment moi je m'y suis prise pour coudre
cette, comment on appelle ça, cette bande, à savoir que moi j'ai préféré finir tout l'intérieur donc à la main pour ne pas avoir de surpiqûres, parce que je trouve très franchement que c'est très difficile d'avoir de jolies surpiqûres sur l'endroit et sur l'envers sur du jersey. Il faut être hyper minutieux, il faut bien mesurer, etc. Et moi j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais envie d'avoir de jolies finitions. Et pour moi, je trouve que ce qui est plus joli, c'est d'avoir des finitions à la main. Donc évidemment, ça demande un peu plus de temps, mais franchement, ça en vaut la peine. Donc là, vous voyez sur l'endroit ce que ça donne, et sur l'envers, donc c'est fini à la main. Au niveau de la gestion entre le bas de la bande avec la ceinture, donc voici ce que ça donne sur l'envers. Donc vous voyez, il faut aussi un joli fini, un bel angle pour gérer ici le bas de la parmenture avec la ceinture. Donc je vous montre comment j'ai procédé. Enfin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Bon, c'est des techniques tout à fait standard, hein, j'ai rien inventé. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, au niveau du corps de la veste, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. La ceinture, je l'ai assemblée moi à la surjeteuse aussi. Donc vous avez le bord surjeté qui est visible sur l'intérieur. Je sais que par exemple, Solène a préféré faire des points à la main. Voilà. Et puis, voilà, je crois. Donc du coup, c'est un gilet qui nécessite d'utiliser et la machine à coudre et la surjeteuse. Oui, alors voilà, ce que je voulais vous dire, chose essentielle, c'est au niveau du porté. Donc, quand je porte le gilet, que je ferme la patte du boutonnage au moyen des boutons pression, que je mets, une fois que je mets la boucle en place, eh bien, je suis pas tout à fait, comment dire, très à l'aise, parce qu'en fait, la ceinture avec boucle devant ne se positionne pas, là encore, comme je le voudrais. Disons que quand je bouge, etc., bah, la ceinture a tendance à bouger aussi, et elle ne plus se positionner comme elle devrait l'être, et donc du coup je trouve que c'est pas très joli, pas très esthétique. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut tout le temps que je pense à regarder, à la remettre en place, et ça c'est un peu agaçant, ça me gêne un peu à vrai dire. Alors certainement que c'est lié aussi à mon choix de tissu, parce que si j'avais utilisé un tissu beaucoup plus épais qui a davantage de tenue, je pense que je ne rencontrerais pas cette difficulté, mais que là mon tissu est plutôt mou et léger, fin, du coup la ceinture a tendance à bouger, à ne pas rester en place. Donc soit il faudrait que je trouve une solution pour mettre par exemple un petit bouton pression pour maintenir la boucle aussi sur l'intérieur de façon cachée, etc. Bon, voilà, mais je trouve que ça fait beaucoup de choses pour pas grand chose. Et puis sinon, une fois que j'ouvre le gilet, eh bien évidemment, donc nous avons cette ceinture qui pendouille là sur le côté. Et comme le disait Solène, de façon tout à fait pertinente, eh bien cette boucle à ceinture vient se cogner un peu partout, ce qui est assez aussi agaçant. Bref, donc je suis à deux doigts en fait de retirer cette ceinture avec boucle là, pour ne porter le gilet que soit fermé, soit ouvert, mais sans cette ceinture qui vient se fermer au milieu devant. Donc je vais tester un peu, je vais porter le gilet tel que je l'ai cousu là, et puis je verrai bien si je retire ou pas cette ceinture. En même temps, ça m'embête parce que je trouve que c'est vraiment l'originalité du modèle, c'est cette boucle comme ça qui vient fermer le gilet. Donc si j'enlève ce détail, je trouve que ce gilet perd en charme, j'allais dire. Mais en même temps, si je veux porter ce gilet et être à l'aise avec, et il va falloir que je trouve une solution. Donc il est fort probable que je finisse par retirer cette boucle.
même si ça me fend le cœur parce que vraiment cette boucle me tenait à cœur. Ça fait penser que je l'ai acheté au même endroit que Solène, donc franchement merci Solène pour toutes ces informations qui m'ont été fort précieuses parce que franchement sans toi je n'aurais pas pu coudre comme je le souhaitais donc mon gilet. Donc cette boucle j'ai acheté également à Paris dans la boutique IDM Mercerie qui se trouve au métro Étienne Marcel. C'est IDM Mercerie, c'est un peu le pendant de Fil de Mille. Vous allez trouver à peu près les mêmes articles. Les prix sont aussi attractifs, peut-être un peu plus cher, mais franchement, ça se vaut. L'accueil est très sympa. Il y a beaucoup, beaucoup moins de monde chez IDM Mercerie que chez Fil de Mille, donc c'est aussi fort appréciable. Le personnel est de bons conseils, donc franchement, c'est nickel. On entre dans ce genre de boutique, on y va avec une idée précise, mais généralement, on en ressort avec plein d'autres choses. Donc en l'occurrence, là, j'y allais pour acheter ma boucle en métal, donc j'ai acheté donc grâce à Solène, et elle m'a coûté 3,50€. Voilà, et c'est une boucle donc à passant. Voilà, toute simple, qui s'accorde bien avec, bah, ma foi, mes petits boutons pression. Voilà. Et donc, du coup, comme j'étais dans cette mercerie, donc j'ai acheté pas mal de choses. Et puis, je leur ai demandé si, à tout hasard, ils vendaient, parce qu'en fait, c'est une boutique qui vend quand même beaucoup, beaucoup de fils. Et je leur ai demandé s'ils vendaient des bobines de fils Seraflex de chez Mettler. Alors, je pense que vous n'avez pas pu échapper à cette information. C'est Alexia, alias Chute, la sorcière coup, qui en avait parlé dans un de ses podcasts et que je remercie vivement parce que moi, j'ignorais, je connaissais pas du tout ce fil. Donc, elle en a parlé et franchement, je trouvais ça absolument génial, ce genre de fil. Donc, merci beaucoup, Alexia, si tu passes par ici, d'avoir transmis cette information aussi précieuse. Et donc, c'est le fil Seraflex, donc c'est celui-ci, hein, c'est un fil qui est élastique et qui permet de coudre avec la machine à coudre au point droit, donc des matières extensibles comme du jersey, de la maille, etc. Donc c'est parfait pour tout ce qui est lingerie, maillot de bain, etc. Et donc vous avez ici l'élastique, vous voyez, je tire dessus, qui est élastique et qui me paraît apparemment effectivement solide. Alors, je dis tout de suite, moi je ne l'ai pas testé, donc je l'ai juste acheté et j'ai pas encore expérimenté, mais apparemment ça a l'air vraiment top. Et donc je demandais, pour en venir à ma petite histoire, donc je demandais à la mercerie s'ils avaient ce type de bobine, ils m'ont dit écoutez non, nous n'avons pas, mais en revanche ce que nous avons c'est le Maraflex. Et je dis tiens, qu'est-ce que c'est que le Maraflex? Et le Maraflex c'est ça, c'est donc une bobine qui est en fait de chez Gutermann. Je vous montre ici Gutermann, je vous montre ici les références. Voilà, et c'est un fil qui est là aussi donc élastique, solide, mais qui semble encore plus élastique que le précédent. C'est-à-dire que celui-ci, alors le Seraflex, je crois qu'il y a un allongement de 65%, alors que là, il y a un allongement de 80%, si je ne dis pas de bêtises. Donc celui-ci a l'air encore plus élastique. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, vous avez 130 mètres. Ça vaut 3,80€ à peu près sur plusieurs boutiques en ligne. Donc je crois que je l'ai vu chez Rascol, Tissu.net. Moi j'ai acheté chez Makeriste parce que les prêts de port étaient offerts chez Makeriste là, il n'y a pas longtemps. Et ça, la bobine, donc là vous avez 130 mètres et là vous avez 1500 mètres. Et la bobine coûte 12€, ce que je trouve d'un rapport qualité-prix plutôt intéressant. En tout cas, c'est plus rentable d'acheter ce genre de bobine là que celle-ci. Surtout si celle-ci a un degré d'allongement plus conséquent. Donc pareil, je n'ai pas testé, hein, donc il faut que je m'y mette, que je fasse quelques échantillons et comme ça je vous dirai ce que si j'en suis contente ou pas. Et c'est vrai que ça permettrait par exemple d'avoir des coutures beaucoup plus élastiques, beaucoup plus solides, faites directement à la machine à coudre sur la lingerie, sur les maillots de bain. Et puis je pense notamment aussi, quand on a une couture rapide à faire, je trouve que si on veut par exemple surpiquer une encolure, on peut faire ça, si on peut faire ça avec la machine à coudre avec un point droit, bah, je trouve ça franchement nickel quoi. Alors vous allez me dire, oui mais Sandrine, toi tu as une recouvreuse, t'en as pas besoin. Alors c'est vrai que grâce à la recouvreuse, on peut effectuer donc des points qui sont extensibles et qui permettent justement de faire des ourlets, de faire des surpiqûres sur du jersey, sur de la maille, sans que... en tout cas c'est vraiment adapté pour ça. Mais il est vrai aussi que dans le temps, je m'en suis rendu compte avec différentes cousettes, c'est que dans le temps, au fur et à mesure du porté, des lavages, etc., il y a certaines coutures qui finissent par craquer.
Parce que forcément, quand on porte des vêtements, il y a une pression qui s'exerce sur les coutures d'assemblage, au niveau des ourlets, au niveau de l'encolure, etc. Et parfois, bah, si on tire trop dessus, hein, on a beau dire, mais ça peut être extensible, mais ça finit quand même par craquer. Alors, pas toutes les coutures, fort heureusement, sinon ce serait un petit peu, un peu embêtant. Mais sur certaines, j'ai remarqué qu'effectivement, au fil de temps, il y a certaines coutures qui pouvaient lâcher. Et donc, je me dis que peut-être, si j'enfile donc ce genre de bobine sur ma recouvreuse, je me dis que du coup, bah, mes coutures seraient encore plus solides et encore plus, enfin, qui pourraient plus durer dans le temps. Donc voilà, je vais tester ça, je vous dirai ce qu'il en est, parce que là, je suis pas en mesure de vous dire si ce que je dis est plausible ou pas. Donc je vais tester ça et je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Voilà donc la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ce fil. Et puis on va revenir donc à ma cousette Burda, puisque c'est un petit peu ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ce que ça donne porté, donc avec le gilet porté, donc fermé, boutonné, avec la ceinture, sans la ceinture, avec les ceintures qui pendouillent sur le côté, sur le devant, enfin voilà. Donc je vais vous montrer, et puis ensuite on passe donc à ma dernière réalisation couture. Je vais à présent vous parler un petit peu de moulage. Alors dans mon dernier podcast, je vous parlais de mon expérience, de mon aventure avec ce mannequin que j'avais complètement rhabillé pour qu'il convienne à mes mesures personnelles. J'avais posé ici mes bolducs, j'avais fait donc une toile par la technique du moulage, donc j'avais fait des essayages, tout ça, etc. Et j'étais plutôt contente de ma première expérience. Et donc évidemment, ce mois-ci, j'ai eu envie de poursuivre cette aventure-là. Et pour ce faire, donc, je me suis amusée, j'allais dire, parce que c'est aussi ça la couture, c'est aussi apprendre, mais c'est aussi s'amuser. Donc j'ai voulu faire une petite expérience avec ce mannequin. Donc c'est un mannequin miniature sur pied, et j'ai voulu donc m'exercer à la technique du moulage sur ce buste miniature. Alors celui-ci, c'est le buste miniature qui vient de chez Stockmann, c'est le B293, qui coûte une petite fortune. Alors je vous dis tout de suite, je n'ai pas acheté ce mannequin chez Stockmann, parce que neuf, ça coûte 234 € TTC, ce qui est une pure folie. Et clairement, je suis contente de ne pas l'avoir acheté à ce prix-là, et c'est un achat que je ne vous recommande pas, d'autant plus. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi, je l'ai acheté sur le Bon Coin, 50 €, ce qui est quand même une petite somme assez rondelette, mais j'en suis contente. Enfin, j'en suis contente.
Je suis contente de ne pas avoir payé plus cher que ça. Et d'autant plus que là, j'ai acheté donc le mannequin qui est dans une qualité absolument irréprochable. Il est quasiment comme neuf, sur le pied qui est intact. La seule chose qui manque ici, c'est le petit capuchon qui vient fermer le cou. Et franchement, bah, moi, ça n'a pas d'incidence pour le moulage, donc j'en suis très contente. Alors, pourquoi c'est un achat où je suis en demi-teinte là aussi pour, alors, un, je suis déjà très contente de ne pas avoir payé 234 €. Ça aurait été une déception terrible. La deuxième chose, c'est que en fait, le revêtement qui vient ici sur le mannequin est un revêtement hyper serré, très rigide, ce qui fait qu'il est très difficile d'épingler sur, sur cette toile, en fait. Et comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas en tout cas, l'épinglage est ultra important dans le moulage. C'est vraiment la base, la toile qu'on vient épingler directement sur, sur le mannequin, sur le bolduc, etc. Donc, très difficile. Moi, j'ai eu toutes les difficultés du monde. D'ailleurs, j'ai pas réussi à poser mes bolducs. Donc, du coup, j'ai un petit peu renoncé. J'ai ici, vous voyez, j'ai fait des petits nœuds sur les côtés pour que les bolducs tiennent en place, mais ce n'est pas l'idéal. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi. Alors peut-être qu'il faut que je prévoie des épingles un peu plus robustes, peut-être que les miennes sont trop fines, je ne sais pas. Mais j'ai eu toutes les difficultés du monde à positionner mon bolduc. Or, le bolduc, les lignes de bolduc sont hyper importantes en moulage. Donc voilà, ça c'est un petit peu embêtant. Et le troisième point, qui est quand même important, c'est que donc ce mannequin miniature est censé être un demi-buste, donc un demi-38. C'est-à-dire que les proportions sont vraiment réalistes. Or là, pour Stockmann, les proportions ne sont pas tout à fait réalistes. C'est-à-dire que par exemple, pour le tour de poitrine, alors le tour de poitrine c'est 46 cm. Donc si on multiplie par 2, eh bien on arrive à, je ne voudrais pas dire de bêtises, on arrive à 92. La taille ici fait 30 cm x 2, ça fait 60 cm. C'est-à-dire qu'on a une poitrine quand même assez généreuse. Une taille ultra très fine. Et puis ici, au niveau des hanches du bassin, on a un bassin qui ferait au total 84 cm. Donc un tout petit bassin. Donc voilà, les proportions ne sont pas tout à fait fidèles aux 38 qu'on a l'habitude de voir, alors que vous voyez, si vous achetez celui de S-Mode, c'est un vrai demi-38, parce que les proportions sont vraiment à l'identique. Donc voilà, donc bon, moi pour mon exercice, j'allais dire, c'est pas gênant, puisque je ne prévois pas de... Enfin moi je le fais probablement pour l'amusement, et puis pour apprendre, pour expérimenter le moulage, mais c'est vrai que pour les étudiants en école de mode, etc., partir de cette base-là, à mon avis, c'est pas une très bonne chose. Et donc ça m'a pas empêché quand même de travailler donc sur ce mannequin pour faire un peu de moulage, puisque c'est ça qui est intéressant dans ce... Alors pourquoi, évidemment... préférer faire du moulage là-dessus que là-dessus, c'est qu'en fait là-dessus ça nous permet de s'exercer, d'apprendre, c'est un travail de recherche, c'est-à-dire d'expérimenter, et puis surtout ça nous permet d'utiliser beaucoup moins de tissu, beaucoup moins de toile que si on utilisait un mannequin à nos dimensions personnelles. Donc ça veut pas dire que le moulage est plus rapide à réaliser, mais ça veut dire surtout qu'on utilise beaucoup moins de tissu, il y a moins de gaspillage, et ça nous permet, si vous voulez, d'entrer davantage dans l'esprit créativité que moi, dont je manque un peu. C'est-à-dire que j'oserais peut-être faire plus de choses avec ce mannequin-là qu'avec celui-ci, puisque celui-ci, je sais que je peux... Enfin, je veux dire, comme j'utiliserai beaucoup moins de tissu, je peux oser me dire que voilà, je peux expérimenter certaines choses, utiliser davantage, me lancer davantage dans le côté artistique, créativité, les déraper, etc. Donc voilà, donc bon, je vais passer la vitesse supérieure parce que sinon je vais tous vous perdre. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc voilà, j'ai fait mon premier moulage sur ce mannequin. En fait, pour ce faire, je me suis inspirée de ce que j'avais vu sur Pinterest, parce que Pinterest, c'est une interface, une plateforme où on y trouve un tas de photos, d'inspiration, etc. Donc moi j'aime beaucoup en fait naviguer sur Pinterest
quand je suis à la recherche d'idées et d'inspiration. Et donc mon choix s'est arrêté sur donc cette robe que vous voyez. C'est une robe Vogue. Il s'agit ici d'une robe ajustée, voire moulante, sans manches, avec un décolleté croisé façon cache-cœur en V avec revers. Des empiècements épaules sont prévus devant et dos, ainsi que des découpes princesses. La robe est cintrée à la taille, la jupe est de forme droite. À noter des poches italiennes au devant et la robe se ferme au milieu dos grâce à un zip invisible. Alors moi, quand j'ai vu donc cette image d'inspiration, le corsage en lui-même plaisait beaucoup, la partie jupe en revanche beaucoup moins, parce que moi j'aime pas les jupes qui sont droites ou entravées. Moi je préfère, encore une fois c'est une question de style et de goût et de morphologie aussi, moi je voulais une jupe qui soit un peu plus évasée pour le bas, et moi je ne voulais pas de toute façon de poche, etc. Donc moi je voyais plutôt un... Plutôt qu'une robe, je voyais plutôt une tunique, parce que moi, vous savez que j'aime beaucoup les tuniques. Donc voilà, moi je suis partie donc sur cette idée de base, et pour en faire quelque chose qui me plaisait davantage et qui correspond davantage à mon style. Alors, quand on veut se lancer comme ça dans du moulage, il y a plusieurs étapes, j'allais dire, à respecter, enfin, si on le souhaite. C'est comme ça que moi j'ai appris le moulage à l'école, et c'est également comme ça que le confirme Sophie Valentoine dans son cours dont je vous ai parlé le mois dernier, le cours pour apprendre la technique du moulage via la plateforme Artesane. Et donc la première des choses, quand on a comme ça un dessin, une photo, une inspiration, c'est tout d'abord de faire ce qu'on appelle une analyse proportionnelle. Alors en fait c'est tout simple, puisqu'il suffit en fait de déjà de décrire ce que c'est. Comme vêtements, donc si c'est une robe, une jupe, quels sont les détails, etc. Est-ce qu'il y a des empiècements, est-ce qu'il y a des découpes. Voilà, on analyse déjà le modèle en lui-même, savoir, comme je vous ai décrit d'ailleurs le modèle en question, voilà, il y a une découpe ici princesse, vous avez des empiècements, vous avez ici une encolure comme ça, etc. Donc première étape, c'est qu'on décrit le vêtement qu'on voit sur la photo ou sur le dessin. Et ensuite, on vient déterminer nos différents axes et nos différentes lignes repères. C'est-à-dire qu'on vient tracer donc l'aplomb, ce qui est ici le milieu devant, le milieu dos, et on vient y ajouter les différentes lignes repères, donc la poitrine, la taille, les hanches, le bassin, la carrure, enfin voilà, toutes ces petites lignes qui en fait nous permettront ensuite de déterminer, de pouvoir travailler selon les lignes repères de nos mannequins. Ici le milieu devant, le milieu dos, ici j'ai une ligne de poitrine, la taille, les petites hanches, le bassin. J'aurais pu ici ajouter la ligne de carrure parce que ces lignes que j'ai tracées comme ça sur la photo me permettront de mieux visualiser ensuite ce que je vais devoir transcrire sur le mannequin pour travailler donc le moulage. Une fois que cette analyse est faite, donc on vient positionner donc sur le mannequin les différents bolducs qui nous permettront en fait de se rapprocher le plus possible du modèle qu'on a sélectionné. Donc ici vous voyez, j'ai positionné donc mon bolduc au niveau de la découpe princesse, au niveau du revers, au niveau des empiècements, et voilà. Une fois que ce travail préparatoire est fait, on passe à la deuxième étape qui est donc le plan de moulage. Et donc ce plan de moulage consiste en fait tout simplement à déterminer donc le nombre de morceaux qu'on devra découper dans la toile et d'en donner les dimensions. Donc quand on sait que par exemple vous avez ici, donc vous avez le milieu devant, vous avez le petit côté, vous avez l'empiècement, vous avez la même chose au niveau du dos, vous avez la jupe devant, la jupe dos. Donc voilà, il faut compter le nombre de morceaux et déterminer la dimension de nos rectangles qu'on va découper dans la toile. Et donc pour ce faire, on vient directement mesurer sur le mannequin, savoir la dimension dont on aura besoin de toile. Donc on essaye de prévoir suffisamment de tissu pour pas en manquer. Donc on prend les mesures réelles sur le mannequin, on ajoute des ressources, les valeurs de couture, parce que s'il y a un évasement, comme par exemple pour les jupes, il faut évidemment l'anticiper et en tenir compte. Donc voilà, donc il y a tout un travail de mesure directement sur le mannequin, on évalue un petit peu les morceaux dont on aura besoin.
Ça, c'est la première étape. Et ensuite, sur chacun de nos morceaux, on vient identifier le droit fil. Parce qu'évidemment, en moulage, c'est hyper important. En moulage, comme en coupe à plat, c'est hyper important d'avoir un aplomb, d'avoir un axe comme ça, transversal, qui nous permet d'avoir la connaissance du droit fil, et ce, sur chacune des pièces. Donc, par exemple, pour ici, le milieu devant, c'est un axe que je vais reporter donc sur mon morceau de toile. Et pareil pour le milieu dos. Et pour les pièces ici qui sont sur le côté ou sur l'empiècement, on vient évidemment tracer donc des droites qui sont parallèles au milieu devant, au milieu dos, etc. Donc ça, c'est important de savoir où est notre droit fil sur chacun de nos morceaux de toile. Et ensuite, on vient également ajouter donc une ligne repère, donc celle de notre choix, celle qui est la plus pertinente évidemment. Donc par exemple, pour le corsage, je vais prendre ma ligne repère, ligne de poitrine. Pour la jupe, je vais peut-être prendre plutôt donc ma ligne repère, celle des petites hanches. Voilà, et ça me permet ensuite de venir ensuite caler mes morceaux de toile sur les bolducs de mon mannequin. Et on vient faire correspondre et l'aplomb et ma ligne ici transversale, ma ligne qui est donc perpendiculaire au droit fil. Donc je viens aligner ensuite mes morceaux, voyez, milieu devant et ligne de poitrine, pour que c'est ma base en fait, qu'une fois que je viens plaquer mon morceau de toile sur mon mannequin, je pars de ce principe là les lignes doivent vraiment se superposer, parce que c'est vraiment des axes évidemment hyper importants et qui permettront à la fin d'avoir un patron qui tient la route et dont le droit fil est respecté. La troisième étape, c'est évidemment celle du moulage. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long à expliquer et je ne suis pas du tout experte en la matière. Si vous voulez savoir comment on procède, quelle est la technique du moulage, il n'y a pas photo, il faut aller voir les vidéos qui sont donc sur la plateforme Artesan. Donc évidemment, ce sont des cours payants, ou sinon il faut prendre des cours de moulage. Mais là, je ne vais pas vous expliquer la façon dont on s'y prend parce que ce serait trop long. Et je vais pas non plus trop rentrer dans les détails, et encore une fois, je suis en phase d'expérimentation, d'apprentissage, et donc je voudrais pas vous dire des choses qui sont pas tout à fait correctes. Donc moi, j'y suis allée à tâtons avec les connaissances que j'avais. Alors évidemment, parce que moi j'ai la chance d'avoir pris des cours du soir en moulage, donc j'ai une bonne base, j'allais dire, plus les cours que j'ai suivis via Artesan, donc ça m'a donné une bonne... j'ai les notions qui sont nécessaires pour mener à bien mon projet. Donc voilà, donc on rentre ensuite dans une phase de moulage où là il y a tout un système d'épinglage, de crantage pour que la toile vienne se positionner, se caler correctement, ensuite que les différents panneaux viennent s'assembler bien les uns aux autres. Donc cette étape de moulage faite, on vient vérifier évidemment que nos lignes sont harmonieuses, que les courbes sont jolies, que nos aplombs sont évidemment respectés. Voilà, donc il faut à un moment donné, quand on passe à l'étape moulage, qu'on a assemblé toutes nos pièces, il faut prendre un peu de recul et vérifier que tout est à peu près cohérent, que tout est à peu près, ça semble correctement, tout est harmonieux au niveau, à l'œil. Et que évidemment on respecte l'image d'inspiration du début. Bon, on peut aussi s'en écarter si on le souhaite. Moi, ce que je voulais, c'était même m'inspirer du modèle d'origine et être la plus fidèle possible à la photo que j'avais au début. Parfois, ça fait du bien aussi, quand on a fait cette étape-là, de se laisser passer quelques heures, quelques jours, et de revenir ensuite sur son projet pour vérifier si tout est correct, etc. Moi, j'ai eu quelques difficultés au niveau des emmanchures, parce que là, mes bolducs n'étaient pas bien définis, et donc ma courbe d'emmanchure n'était pas tout à fait harmonieuse. Donc c'est des choses que, par exemple, je suis venue aussi régler à plat. Donc une fois que cette étape est faite, on passe à la quatrième étape, c'est celle du relevé du patron toile. C'est-à-dire le relevé, c'est-à-dire c'est un travail de pointage. On va venir pointer toutes les lignes d'assemblage, toutes les découpes, les différents repères, c'est-à-dire qu'on vient marquer des crans, des repères, on vient marquer les lignes de côté, les différentes découpes, enfin voilà. Il y a tout un travail qui est fait
Pareil, là, il y a une technique particulière pour pointer. Il faut utiliser un crayon gras. Moi, j'utilise le crayon gras bicolore qui était proposé par Artesane. Et puis, voilà. Donc, une fois qu'on a bien pointé toutes nos pièces, c'est un travail important, puisque ensuite, on va venir retirer la toile du mannequin. On va venir tout désimpingler pour tout mettre à plat. Et c'est alors là, la cinquième étape, c'est le travail de réglage du patron toile. Donc, on vient mettre toutes nos pièces à plat, on les presse bien au fer. C'est là où on revient un petit peu en termes de coupe à plat, parce qu'il va falloir redessiner les courbes, redessiner les lignes, que tout soit à peu près correct. Il va falloir vérifier les différentes lignes, qu'elles s'assemblent bien entre elles, qu'elles soient bien de la même longueur, que les courbes soient bien harmonieuses, notamment, je pense notamment au niveau de l'encolure. Il ne faut pas qu'il y ait de bec, pas de creux. Pareil au niveau des emmanchures, il faut une jolie courbe. Donc il y a tout un travail qui se fait donc à la règle japonaise, enfin à la règle tout court, ou au pistolet pour les courbes. Et une fois qu'on est content de ce travail-là, qu'on a bien vérifié, parce que c'est un gros travail de vérification, donc là je vous avoue que ça demande quand même quelques notions de coupe à plat, parce que enfin il y a des choses qui ne s'inventent pas, j'allais dire, donc il faut savoir bien redessiner les courbes, je vois pas d'autres termes, donc il y a tout un travail de vérification. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail de vérification, qu'on a bien tout retracé, donc on vient à nouveau réépingler notre toile pour vérifier que tout correspond. Et puis, donc on réépingle cette toile et on la remet à nouveau sur le mannequin pour en apprécier donc les différentes lignes et voir si tout est bien harmonieux. Donc moi, c'est une étape que je n'ai pas faite. Moi, j'ai préféré, plutôt que épingler, j'ai carrément cousu en fait toutes les pièces du patron, parce que c'est de la toile. Donc on peut assembler... oui, j'ai oublié de dire que j'ai ajouté aussi ici les marges de couture pour pouvoir ensuite donc évidemment assembler toutes les pièces de ce patron toile et pour vérifier ensuite si tout était correct une fois repositionné sur le mannequin. Et on vient à nouveau prendre du recul, vérifier que nos lignes d'aplomb sont correctes, que la ligne des côtés aussi est correcte, enfin que nos courbes sont harmonieuses, que tout s'assemble correctement, etc. Et puis, eh bien ensuite, je me suis dit que j'allais coudre donc ma version dans un tissu et donc j'allais coudre une toile entière pour avoir une idée globale du rendu visuel de ma toile, de mon travail de moulage. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris des chutes que j'avais dans mon stock. Alors c'est un tissu qui est peut-être un peu épais, un peu ferme peut-être pour ce projet. Donc c'est pareil, c'est intéressant parce que ça donne des indications. Parce que moi, si je veux faire ce modèle-là, à mes mesures personnelles, parce qu'en fait je compte bien ce que j'ai fait là en miniature, je compte bien le faire pour moi à mes mesures personnelles, parce que c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Et donc en fait, le fait de pouvoir réaliser le patron là à cette échelle là, eh bien ça me permet de 1 de voir un petit peu au niveau de la gamme de montage, au niveau des finitions, des différents assemblages, de voir les difficultés que j'aurais à rencontrer. Donc en fait ça me permet de voir un petit peu oui ce qui va me poser question, ce qui va me poser problème, les solutions que je vais devoir apporter. Donc il y a tout un travail là qui est intéressant et qui se fait donc forcément à une petite échelle sur puisqu'on utilise la moitié d'un 38 quoi, j'allais dire. Donc c'est fort intéressant, donc je suis passée par cette phase-là et je me suis rendu compte par exemple que le tissu que là j'avais employé était un petit peu trop épais pour ce que je voulais, parce que moi je veux une tunique avec des basques et je trouve que la basque doit être plutôt fluide, légère et pas... vous voyez, si c'est trop rigide, je trouve que c'est moins esthétique. Donc c'est quelque chose, par exemple, dont je tiendrai compte dans ma réalisation finale pour moi. Il y a des choses que je vais devoir remodifier, etc. Mais en tout cas, ça me donne déjà un bon aperçu de ce que ça peut donner en miniature. Et je trouve ça absolument génial. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ça m'a...
cette expérience, je commence à avoir mal à la gorge là, à force de parler. Ce que je veux dire, c'est que cette expérience, cette petite aventure de moulage, ça m'a beaucoup beaucoup amusée. J'ai l'impression d'avoir cette excitation de coudre, de chercher, d'apprendre, de trouver des solutions. Enfin, il y a un côté vraiment très amusant de travailler comme ça, à demi-échelle. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu comme expérience ce mois-ci. Donc voilà. Donc je vais vous montrer maintenant ce que ça donne sur mon petit mannequin et je reviens après. Et donc voici ce que ça donne sur mon petit mannequin miniature. La version que moi j'avais en tête d'après donc l'inspiration que j'avais trouvée sur Pinterest. Donc on retrouve bien les détails, moi qui me plaisaient bien, avec ici cet empiècement au niveau de l'encolure qui est cranté. On trouve ici les découpes princesse. Ici le revers que je trouve absolument charmant avec ce décolleté croisé là, effet cache-cœur. Voilà. Ensuite le dos, bah, plutôt classique, mais on retrouve quand même ici donc un empiècement, les découpes au dos. Comme vous pouvez le voir ici, moi je n'ai pas fait de couture au milieu dos parce que je n'aime pas les zips au milieu dos. Donc j'ai plutôt prévu ici un zip invisible sur la couture latérale. Et puis pour la partie basque, vous voyez, j'ai fait quelque chose d'évasé, mais vous voyez, avec ce tissu qui a un peu trop de tenue, je trouve pas ça très très joli. Donc il va falloir que je prévoie un tissu un peu plus souple, un peu plus fluide pour obtenir le résultat escompté. Mais voilà, je suis très très contente du résultat final. Donc ça m'a posé question au niveau de l'assemblage, des finitions. Donc je sais que j'aurai quelques questionnements. Donc ici j'en aurai pas parce que je prévois de toute façon de faire des manches. Mais par exemple au niveau des finitions de l'encolure, donc il faut savoir que moi j'ai doublé l'empiècement devant et dos avec la technique du burrito. Donc là je vous montrerai pas sur l'envers, mais voilà. Et du coup se posait la question ici de l'encolure dos. Donc là j'ai fait un simple repli, mais certainement il va falloir que je prévoie un enforme pour l'encolure dos. Et puis au niveau donc ici du décolleté avec le revers, donc c'est forcément doublé puisque vous avez une partie qui vient donc se rabattre sur l'extérieur. Voilà. Donc il y a quelques questionnements encore sur les finitions, sur l'assemblage. Mais voilà, c'est un premier jet qui tombe plutôt bien quand même. J'ai fait une toile et là voici ma deuxième réalisation. Donc sorte de deuxième toile j'allais dire, et je suis très contente du résultat. Ça correspond tout à fait à ce que j'avais en tête. C'est fidèle enfin, la photo d'origine, donc vraiment j'en suis très contente et c'est quelque chose que j'ai très envie vraiment de réaliser pour moi parce que j'aime beaucoup cette coupe, j'aime beaucoup tous ces détails vraiment avec ces petits empiècements crantés. Je trouve ça très très élégant. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette expérience de moulage. Certainement qu'il y en aura d'autres dans les mois à venir, mais comme d'habitude, je vous ferai part de mes avancées en la matière. Voilà, voilà. Nous voilà donc à la fin de ce podcast, mais avant, je voudrais quand même vous laisser avec quelques photos, quelques vidéos que j'ai prises donc courant février et mars à l'occasion d'un hommage qui a été fait, qui est toujours fait d'ailleurs actuellement, donc à Yves Saint-Laurent. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais actuellement, il y a des expositions dans plusieurs musées parisiens pour rendre hommage donc au travail de Yves Saint-Laurent, puisqu'on fête cette année donc les 60 ans, le 60e anniversaire de son premier défilé. Donc c'était un jour de 29 janvier 1962. Alors pour la petite histoire, je pense que vous la connaissez, mais Yves Saint-Laurent a quitté assez jeune donc la maison Dior pour ouvrir sa propre maison en collaboration avec Pierre Berger. Et cette année donc on rend hommage aux couturiers à travers donc des expositions dans 6 musées parisiens. Et où le concept est assez ingénieux et moi ça m'a beaucoup séduite, c'est-à-dire qu'on associe donc une œuvre de Yves Saint-Laurent à une œuvre d'un peintre ou d'un artiste, et je trouve que ce concept est vraiment bien, parce que moi ce que je ne savais pas, c'est que, enfin je ne savais pas, j'ai découvert grâce à ces expositions que Yves Saint-Laurent s'inspirait beaucoup de l'art, des peintres, des artistes en général, et donc on comprend mieux d'ailleurs son travail, son inspiration, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir comme ça associer une œuvre d'un couturier à celle d'un artiste, d'un peintre. Donc je vais vous laisser avec ces quelques images. Moi j'ai eu la chance de voir 5 musées sur les 6, c'est-à-dire que j'ai fait donc le Centre Pompidou, le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée d'art moderne et la maison Saint-Laurent.
Alors, les deux musées qui m'ont le plus plu, celle que je vous recommande, c'est celle du Centre Pompidou, que j'ai trouvé absolument géniale en termes de scénographie. Et puis, la seconde, c'est le musée d'art moderne, qui est, dont l'entrée est gratuite, donc je vous le dis parce que c'est vraiment sympa. Et dans un quartier sympa, parce que c'est juste le musée d'art moderne se trouve vraiment juste en face du palais Galliera. Donc si vous avez envie d'aller voir l'exposition qui est en cours sur, je me sens que c'est l'histoire de la mode, je suis pas encore allée, mais il faut que j'y aille. Donc c'est intéressant, et c'est à deux pas de la maison Saint-Laurent, et c'est à deux pas aussi de Dior. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Dior vient d'ouvrir un musée Dior avec des œuvres qui sont actuellement exposées, et donc je ne suis pas encore allée voir ce musée. Mais ça fait partie de ma to-do list, j'allais dire, de mes visites à venir. Donc franchement, tout ce petit quartier est vraiment sympa, donc n'hésitez pas à aller au musée d'art moderne, ensuite d'aller faire un tour à la maison Saint-Laurent. Alors moi je suis allée à la maison Saint-Laurent et j'étais un petit peu déçue parce que en fait les collections permanentes sont fermées au public, donc vous n'avez accès que à l'exposition actuellement temporaire dédiée donc à Saint-Laurent, ce qui fait que là où je suis un petit peu déçue, c'est que du coup on voit très très peu de tenues. On voit très peu les créations d'Yves Saint-Laurent, donc parce que là le concept de la maison Saint-Laurent c'est de mettre justement en valeur tout ce qui est fait en amont du défilé, c'est-à-dire qu'on voit la conception, on voit le croquis de départ, le dessin. On voit les différentes maquettes. Les différents patrons, alors ça c'est intéressant pour nous qui faisons de la couture parce qu'on voit des patrons de l'époque, on voit les enveloppes qui ont été comme ça données aux couturières, on voit les différents croquis, différents dessins de Saint-Laurent, on voit les différents prototypes, les toiles qui ont été faites dans les ateliers, donc ça c'est fort intéressant. On voit évidemment aussi tout le bureau de Saint-Laurent tel qu'il était à l'époque. Vous savez, ce grand couloir fini par de grandes glaces, de grands miroirs au fond. J'étais déjà allée visiter donc le musée Saint-Laurent, c'était à son ouverture, et à l'époque on avait accès à tout un déroulé, j'allais dire, d'œuvres qui étaient sur mannequin avec un tas de robes, de vêtements, de smoking, etc. Mais là il n'y a rien de tout ça, donc là l'exposition actuelle, on ne voit pas de tenue réelle, il n'y en a qu'une en fait qui est exposée et qui plus est sous vitrine, qui est en hommage à Van Gogh, qui est absolument sublime, c'est une veste tout en broderie absolument somptueuse, mais c'est la seule que nous voyons, puisque
Je vous dis, seuls sont exposés tout ce qui est prototype, forme, chaussures, machin, etc., chapeau, enfin tous les détails de finition, les petites broderies, etc. Tout ce qui aide en fait à la finalité du vêtement fini. Donc c'est une exposition qui est intéressante, mais un petit peu décevante parce que moi je voulais voir autre chose aussi, je voulais en voir un peu plus. Donc je suis un petit peu restée sur ma faim. L'exposition que je vous conseille le moins, c'est celle du musée d'Orsay parce que certes, les pièces qui sont exposées sont dans le salon d'honneur avec l'horloge comme ça en arrière-plan. C'est absolument somptueux, la salle est magnifique. Mais les pièces exposées sont disposées sur un piédestal qui nous permet pas en fait de s'approcher des œuvres. Donc non seulement les œuvres exposées sont toutes en noir, c'est parce que ce sont des smokings, l'éclairage est vraiment très moyen, c'est très poussiéreux au sol, je trouve que vraiment c'est ni fait ni à faire, j'étais un peu déçue. Et donc du coup, ça mérite pas le prix d'entrée, quoi. Heureusement que moi, je ne paye pas l'entrée au musée. Alors j'ai ce privilège-là parce que moi, je fais partie du personnel du ministère de la Culture, donc l'entrée est gratuite pour moi dans tous les musées du ministère. Donc le musée, j'allais dire, Saint-Laurent, donc là, c'est un musée privé, donc j'ai dû payer mon entrée. Pour info, ça coûte 10 euros. Le musée d'art moderne, c'est l'entrée est gratuite pour tous, donc franchement n'hésitez pas, foncez. Et puis pour les autres musées, bah moi j'ai payé, je n'ai pas payé mon entrée puisque l'entrée était gratuite pour moi. Et qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire? Donc oui, musée d'Orsay, ça vaut pas la peine. Vous avez donc quelques smokings qui sont exposés sur un piédestal, vous avez quelques croquis dans un autre coin, des photos, mais franchement ça vaut pas le coup d'y aller que pour ça. Si vous voulez faire ensuite un tour au musée d'Orsay, pourquoi pas, mais n'y allez pas que pour ça. Ensuite, le musée du Louvre, donc c'est dans un salon absolument somptueux qui accueille des pièces absolument fantastiques, mais là encore il n'y a que 4 ou 5 pièces qui sont exposées et qui plus est sous vitrine. Donc du coup vous allez voir, les photos que j'ai prises ou les vidéos que j'ai prises sont pas vraiment représentatives de la beauté, j'allais dire, des vestes qui sont exposées parce que parce qu'on voit pas très bien en fait, on peut pas s'approcher vraiment parce que c'est sous vitrine et que du coup on voit pas bien, enfin bon, mais sinon le cadre est fantastique hein, parce que c'est la salle la plus emblématique du Louvre, la plus somptueuse, avec toutes ces décorations murales. On y voit aussi le cœur, vous savez, le cœur de Saint-Laurent, c'est l'objet fétiche, la broche fétiche qu'il faisait porter par l'une de ses muses lors des défilés. Donc voilà, il y a des pièces qui sont quand même intéressantes, mais franchement, si vous n'aviez que deux musées à faire, ce serait celui du Centre Pompidou et celui du Musée d'Art Moderne, parce que je trouve qu'on en prend plein les yeux. Et moi, je m'en suis ressortie absolument enjouée et enthousiasmée, donc vraiment, je vous recommande. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. N'hésitez pas à lire les deux articles de blog dans lesquels j'en parle, où je présente presque chacune des tenues. Je vous donne un petit peu aussi mon ressenti, parce qu'il y a des pièces qui m'ont plu, d'autres beaucoup moins. Et puis évidemment, moi je m'attache toujours un petit peu aux détails de finition, aux coutures d'assemblage, parce que c'est toujours ça aussi qui est intéressant d'un point de vue de couturière, entre guillemets, c'est de voir un petit peu comment le vêtement a été conçu, cousu, avec des matières qui sont des matières parfois très difficiles à travailler. Donc moi je suis hyper admirative des ateliers qui ont réussi à façonner, à créer des choses absolument somptueuses. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces petites photos, ces vidéos. Et puis quant à moi, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois d'avril. J'espère que vous avez envie, après tout ce bilan couture et tout ce dont je viens de vous parler, j'espère que vous aurez envie de coudre, j'espère que vous trouverez l'inspiration. Et puis, quant à moi, je vous retrouve donc en pleine forme comme d'habitude, donc au mois de mai, déjà, vous vous rendez compte. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.